pages que j'apprécie par exemple parce qu'à la fin de ce poème, il dit « Moi, je suis légitime à aimer le peuple parce que je ne suis personne. » Et ce poème, je l'ai choisi aussi parce qu'il il correspond quelque part à la difficulté de vivre le moment historique qui est le nôtre, avec l'arrière-fond de la guerre en Ukraine ou en Palestine. Bon, il s'intitule « Prière ». Calcul, orgueil et faiblesse des hommes ont déchaîné la tuerie inutile. Ô monde, saurons-nous jamais tout ce qui est mort? Nous sommes nés du cri des mutilés, de l'accusation des martyrs et du chuintement secret des ânes en lambeaux des victimes. Nous sommes tout cela qui ne fera qu'un avec demain, le demain redoutable dont sonne déjà le glas. Maître de la veille du délire, complice de la farce, maître chanteur, maître larbin, vous avez fait servir des mots encore purs à multiplier la folie. Et nous, demain, nous serons seuls avec la voix formidable et silencieuse des morts. À chacune de tes maisons, tu as vu la malédiction s'attacher comme leur ombre. Chaque foyer a reçu la mauvaise nouvelle, chaque matin, comme vient la porteuse de pain. Pain de larmes, de douleur, pain gris des jours d'enfer. Tu portes le tourment comme ton propre enfant. La douleur et l'exil et leurs maux sont devenus ta propre peau à force de se coller à toi, peuple. Peuple dont la chair porte la marque des knouts et des fers, de tous les autres peuples de la terre, peuple qui fuit depuis de lointains millénaires le repos d'une seule nuit de la terre, peuple des tremblants émigrés, peuple agonie, peuple étouffé. Moi, je puis te plaindre et célébrer ta douleur, moi dont le sang vient de coins ignorés de la terre, moi qui ne suis ni sage, ni juif, ni fou, ni chrétien, moi, je puis t'aimer, moi qui ne suis rien.